Foul, bonjour. Bonjour. Vous pouvez monter Italien Louis dans première course avec sa dixième couloir là, le 990 mètres. Est-ce qu'il y a dans ce sens? Le 990 mètres est un bien mauvais couloir. C'est une des bonnes choses qui est un peu difficile pour dire. C'est une surface à peu près en 990. Et un peu difficile avec le deuxième couloir. Et deuxième course, quant à un cool franc, le nouveau de Pamine. Ouais, un cool franc, c'est la première fois que j'ai galopé. J'espérais qu'il y ait une bonne course et il y a un bon couloir. Je pensais que du coup là, il y a une bonne forme sur la fin. Vision of Trust dans quatrième. Vision of Trust, il y a aussi une mauvaise couleur, le 990, 8-8. J'espérais qu'il y ait un bon départ, il réussit à lire. Il y a ce mot à dire. Dans la septième course, le conseil de l'écurie Vincent Allette, Emerald Ben, Kotlitch fait une jolie des courses, le 990 mètres. Là, une quatrième ligne, définitivement, ça conseille là pour prendre le lead. Oui, moi j'espère qu'il prend le lead assez facile aussi. Il y a un cheval qui a fait le Golden Stone et il y a Valentine Hall, des chevals qui commencent à battre dans les courses. Et ici, du coup là, vous pensez qu'un des meilleures chances de la journée, c'est Emerald Ben. Et dans l'épreuve de clôture, Ponciana, fait une jolie deuxième place pour sa première sortie de, sur les 1000 mètres. Et là, la première fois, il couvre 450 mètres. S'il prend soin tournant bien, je pense que lui aussi, il n'a pas une bonne compagnie en Sud-Afrique. Et ici, il a une bonne chance. Dinesh, avant de terminer, est-ce qu'il y a une course que vous avez qui suit cette semaine-là? Enfin, me démêler son 7e, 8e course, c'est ça la journée. Si je gagne une victoire, moi je suis bien content avec moi au week-end. Merci, Dinesh.